Bonsoir à tous. Donc, bienvenue au webinaire Bourstat Cyrano ce soir sur le sujet des crypto-monnaies. Nous allons vous présenter en fait les grands faits saillants autour des crypto-monnaies et nous allons avoir après un entretien avec plusieurs experts. Donc, je me présente, Nathalie de Marcellis-Varin. Moi, je suis la présidente directrice générale du Cyrano, professeure aussi à Polytechnique Montréal et je vais animer en fait le webinaire. Donc, le webinaire que nous vous présentons ce soir va se faire dans les cadres des activités de notre concours de simulation boursière, Bourstat, pour ceux qui connaissent le concours. Donc, c'est un concours dans lequel les participants doivent gérer un portefeuille virtuel de 200 000 $. C'est un concours qui est ouvert à la fois à la communauté étudiante et au grand public. Ce concours s'inscrit dans les activités du Cyrano pour augmenter l'éducation financière, donc pour augmenter la littératie économique et financière. Nous avons plusieurs activités dans ce sens et nous essayons depuis 2 ans en fait, d'organiser des webinaires pour les participants et on les a ouverts à un plus large public depuis cette année pour vous présenter en fait, des sujets d'intérêt dans le contexte évidemment du portefeuille, de la gestion de portefeuille, de la gestion d'actifs, des sujets qui peuvent intéresser évidemment les participants à cette simulation. On se base à chaque fois sur des données probantes. On est souvent en train de vous présenter des études qui ont été faites au Cyrano. On invite des experts et l'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir en fait vous informer et augmenter en fait vos connaissances économiques et financières autour de la gestion. Nous avons plusieurs projet de recherche actuellement en cours au Cyrano sur ces sujets. On réfléchit justement au profil des détenteurs de crypto-monnaies. On regarde évidemment les impacts de la technologie sur cette transformation actuellement. Et aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement justement des crypto-monnaies en parlant du côté investissement, mais aussi en regardant la technologie qui est derrière et les éléments que ça peut apporter. Pour ceux qui suivent les activités du Cyrano, vous savez peut-être que chaque année, nous avons en fait un baromètre Cyrano qui fait des enquêtes auprès de la population. Et dans le baromètre 2021, nous avions une question spécifique où nous demandions en fait à un échantillon représentatif de la population, est-ce que vous connaissez les crypto-monnaies? Est-ce que vous savez ce que c'est? Et est-ce que vous en possédez? Donc, pour nous, c'était un premier élément important pour essayer de comprendre, si vous voulez, un petit peu le profil, en fait, des détenteurs de crypto-monnaies au Québec. Et donc, en fait, on avait 72% des répondants, donc d'un échantillon représentatif de la population, qui nous ont dit « oui, je sais ce que c'est qu'une crypto-monnaie ». Puis, l'autre question, évidemment, quand on regardait, on avait des différences selon les âges. Les plus jeunes, donc dans la tranche 18-34 ans, étaient encore plus importants à nous dire qu'ils connaissaient les crypto-monnaies. Par contre, quand on posait la question « est-ce que vous en possédez ?», il y a uniquement 7% des répondants qui nous ont dit « je possède des crypto-monnaies ». Et quand on a commencé à leur poser des questions sur les raisons d'en posséder ou de ne pas en posséder, puis on va pas détailler tous les résultats, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 2 éléments qui ressortaient. Il y avait l'intérêt pour l'investissement dans ce nouveau mode d'actif et aussi l'intérêt pour les nouvelles technologies. Alors, évidemment, ce qui est important lorsqu'on fait de ce type de projet de recherche, c'est d'essayer de comprendre les déterminants de la demande, les déterminants des achats, et aussi d'essayer de comprendre comment on peut évidemment mettre en garde contre les risques ou les enjeux qui peuvent être associés à ce type d'actifs. Donc, aujourd'hui, en fait, dans le séminaire, nous allons vous parler justement derrière ces crypto-actifs, les crypto-monnaies, le Web 3.0, NFT, on va nous parler de la chaîne de blocs. Donc, on va avoir en fait d'abord, dans un premier temps, une présentation des faits saillants, de quelques données autour des cryptos aujourd'hui au Québec. Et après, nous aurons en fait 2 experts, 2 chercheurs du Cyrano qui vont évidemment s'entretenir sur certains sujets relatifs à ça. Donc, je vais évidemment, je vous remercie d'être présent avec nous ce soir. Je vais passer la parole en premier à M. Paul Bourget, qui est le directeur de projet au Cyrano, responsable de la simulation Bourstat. Ça en est aussi le fondateur et qui va vous présenter dans une première partie, en fait, une présentation sur les cryptoactifs. Donc, Paul, c'est à toi. Merci, Madame de Marcellis. Comme vous l'avez mentionné, mon rôle va consister à brosser un peu le tableau le général de ce que sont ces nouveaux produits d'investissement, d'échange, qui remplissent différentes fonctions. Et donc, je vais partager avec vous une présentation à ce sujet. Je pense que je suis en mesure de le faire. Oui. Donc. Alors, on va commencer ici. OK. Alors,
comme Madame de Marcellis l'a mentionné, ma présentation va être suivie d'un échange qui sera animé par Madame de Marcellis avec les panélistes Robert Normand et Thierry Boirin, deux chercheurs Cyrano. Ma présentation va porter sur les cryptoactifs, la chaîne de blocs, donc un peu d'histoire et qu'est-ce qu'on peut en dire là, au moment où on fait ce webinaire en mars 2022. Alors, les débuts des cryptoactifs, c'est la chaîne de blocs. Alors, la chaîne de blocs, c'est une base de données qui gère une liste d'enregistrements protégés contre la falsification parce qu'on met en place un système d'encryptage. Donc, c'est un registre sécurisé de toutes les transactions qui ont été effectuées depuis le démarrage d'un système de crypto-monnaie, de cryptoactifs. Alors, le concept lui-même, même si les cryptos, c'est relativement récent, on peut dire, alors le concept de la chaîne de blocs date quand même de 40 ans. Hein, ça a été développé en 82 à l'Université de Californie, à Santa Barbara. Mais il s'est écoulé plusieurs années avant qu'on puisse développer une version dite décentralisée de ce concept qui permettait la mise en place des crypto-monnaies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Là. Alors, les crypto-monnaies comme telles, on le sait, c'est le Bitcoin qui a été la première crypto-monnaie qui reste encore la plus connue, la plus utilisée. Alors, on attribue la création du Bitcoin à un personnage du nom de Satoshi Nakamoto. Alors, on sait que c'est un pseudonyme. Est-ce que ça représente une personne ou un groupe? Il n'y a pas de certitude à cet égard. Donc, la particularité du Bitcoin par rapport à la chaîne de blocs, c'était un concept décentralisé. Donc, à ce moment-là, plusieurs personnes qui participent à l'utilisation du cryptoactif ont accès au même moment à ces enregistrements qui confirment que la transaction a eu lieu. Et ça, c'est fait de façon encryptée. Évidemment, cette transparence devient une garantie de sécurité par le fait qu'il est impossible par la suite rétroactivement de modifier ces enregistrements. Bon, alors, depuis 2009, le lancement, l'introduction du Bitcoin, on a lancé un très grand nombre de cryptoactifs et on utilise le terme « monnaie alternative » ou « altcoins » en anglais pour désigner tout ce groupe. Alors, on parle de plus de 16 000 cryptoactifs qui auraient été lancés entre 2009 et 2021, si vous voulez maintenant, dont 10 400 existent toujours. Donc, il y a quand même un grand nombre de ces cryptoactifs qui n'ont plus de valeur au moment où on se parle. Donc, c'est un élément qu'on aura peut-être à garder en tête un peu plus tard. Alors, les principaux cryptoactifs selon le pourcentage de la valeur au marché. Alors, c'est un graphique ici qui montre la part de marché qu'a occupé le Bitcoin au fil des ans. Donc, pendant longtemps, le pourcentage était très, très élevé, là, supérieur à 75 %. Ça demeure majeur parce qu'un seul cryptoactif représente 42 %. Alors, suivi de l'Ethereum, qui représente 18 %, de Tether, qui est un type un peu particulier, on va le voir dans un moment, là, qui est à près de 5 %, et ainsi de suite, là, en décroissant. Alors, je vous fais remarquer que sur la présentation, d'abord, elle est diffusée dans le chat en français et en anglais. On sait qu'il y a des participants anglophones au concours Boursstat, donc ils pourront retrouver cette présentation en anglais. Alors, les diapositives comportent habituellement des liens que je ne vais pas suivre dans mon exposé là, ce soir, mais ça vous donne la possibilité d'aller plus loin si tel est votre désir. Bon, alors, donc... Si on commence avec le prix du Bitcoin, on voit son évolution là, depuis 2000. Ici, on est depuis 2005, je crois. 2016, dis-je plutôt. Alors, on peut voir quand même que cette évolution, rapidement, on a atteint le seuil de 10 000 $ même. Et par contre, on sait que depuis deux ans, depuis 2020, on est à un tout autre niveau. Là. On a atteint l'an dernier le seuil de 60 000 $. Présentement, on est autour de 40 000. On a dépassé depuis le début de la semaine 40 000. On était en bas de 40 000 la semaine passée. Alors, si on regarde maintenant l'Ethereum, alors l'Ethereum, c'est une croissance qui ressemble un peu
ce qu'on a vu pour le Bitcoin, mais évidemment, la valeur est plus faible. On a atteint le niveau et dépassé de façon, là, il semble qu'il n'y a pas de point de retour à ce moment-ci, le niveau de 1000 $ en 2020. Et on est à l'heure actuelle dans le voisinage de 3000 $ pour l'Ethereum. Bon, Tether, donc je disais tout à l'heure que c'est un type particulier de crypto-monnaie. Alors, c'est un crypto de type stablecoin, alors monnaie stable. Alors, le but ici, c'est d'avoir un peu les avantages de l'encryptage, de la sécurité des transactions. Aussi, un concept qu'on appelle la définanciarisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de banque centrale ou d'intermédiaire qui gère en quelque sorte la monnaie. Mais on ne veut pas un produit de spéculation. Donc, c'est appuyé sur, on verra tout à l'heure, par exemple, ça peut être appuyé sur une monnaie nationale existante ou sur des denrées, de manière à ce que la valeur soit stable. Alors, ici, on peut voir que Tether, ça évolue à peu près autour de 1 $. Donc, un autre qui est relativement important, c'est Binance Coin. Alors, là aussi, ça a été relativement faible comme valeur par rapport à aujourd'hui. Jusqu'à 2020, par la suite, bon, la valeur a beaucoup augmenté et présentement, on est dans le voisinage de 400 $. Alors, le secteur des crypto-monnaies, des crypto-actifs, fait l'objet de beaucoup de tentatives et de réussites en matière de fraude et de malversation. Alors, les autorités de surveillance des marchés rapportent depuis plusieurs années de nombreux cas de fraude. Bon, ici, vous avez des liens qui vous permettent d'aller voir des mises en garde formulées par l'Autorité des marchés financiers en début d'année 2022. Et si vous vous rendez sur le site des autorités canadiennes en valeur mobilière, un regroupement de tous les régulateurs canadiens, vous avez les mises en garde qui émanent des 13 régulateurs canadiens, dans 10 provinces, 3 territoires. Bon, l'image ici nous montre un cas de fraude où on simulait un article apparemment véritable d'un média de chez nous, La Presse, où on faisait une annonce qui était fausse, qui concernait Tesla et l'usage qu'on pouvait en faire. En fait, le fait que Tesla avait lancé une nouvelle plateforme de Bitcoin, ce qui donnait de la crédibilité à cette fausse plateforme. Alors, des fraudes classiques, on peut émettre un faux cryptoactif, donc qui n'a pas d'existence véritable. La plateforme qu'on vous propose est peut-être une plateforme qui est truquée, hein, où on négocie de faux cryptoactifs. Il y a des fraudes plus traditionnelles, exemple des fraudes à la Ponzi. Une fraude à la Ponzi, c'est une fraude qui repose sur le fait qu'on attire constamment de nouveaux investisseurs et l'argent de ces nouveaux investisseurs sert à verser des profits, des dividendes, si vous voulez, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Et ça prend constamment ces nouveaux investisseurs. Donc, évidemment, un système comme ça va s'effondrer tôt ou tard. Bon, une variante, c'est ce qu'on appelle des fraudes pyramidales où vous devez, en entrant dans le système, vous engagez à recruter plusieurs nouveaux investisseurs pour toucher des gains. Donc, c'est un Ponzi avec, en quelque sorte, où vous devenez un soldat du système, si on veut. Bon, tout ça est sur Internet. C'est l'objet de cyberattaques quand les plateformes peuvent faire l'objet d'attaques, ce qui rend, par exemple, les actifs inaccessibles ou peut-être sujets à des vols, tout simplement. Bon. Utilisation à d'autres fins de l'argent qu'on recueille lors d'une émission initiale de coin, en quelque sorte, de monnaie, de crypto-monnaie. Bon, une technique qui est assez classique aussi dans le domaine des produits financiers, pump and dump. Alors, les fraudeurs vont susciter un engouement pour un produit et cet engouement fait évidemment monter le prix. Alors, ces fraudeurs en ont évidemment une grande quantité. Et lorsqu'ils ont réussi à faire monter le prix, ils s'empressent de liquider pour encaisser des gains très importants. Et en général, ils disparaissent dans la nature après avoir réussi ce méfait. Bon, remarquez que la fraude, souvent, ça peut se faire plus à répétition, dans la mesure où les gens qui ont fraudé peuvent ensuite proposer aux personnes fraudées leur aide pour récupérer les sommes et en profitent à ce moment-là pour faire de nouvelles fraudes. Ah, là aussi, vous avez
un lien vers l'autorité des marchés financiers pour plus de détails. Bon, alors, connaissance des cryptos, alors, Mme de Marsalis a parlé tout à l'heure de l'enquête Cyrano, je ne vais pas tellement élaborer là-dessus parce qu'elle a fourni les données. Là. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les crypto-monnaies. Peut-être attirer votre attention sur le baromètre Cyrano. Alors, si vous cliquez soit sur l'image de la première page ou sur le billet, vous allez arriver sur le site du Cyrano et vous pourrez avoir plus d'informations sur cette importante publication annuelle du Cyrano. Alors, perception des risques au Québec, ça portait sur les cryptos, mais évidemment sur tout un ensemble de risques qui peuvent toucher les populations. Alors, investissement dans les cryptoactifs au Québec et au Canada. Donc, il y a eu un article récent de la presse qui portait à 5% les Canadiens qui posséderaient des crypto-monnaies. Marqué qu'on ne citait pas là, les sources de cet article, mais on a vu tout à l'heure, Mme de Marsalis, tu l'as mentionné, que 7% des Québécois dans l'enquête ont dit en posséder, donc les chiffres sont quand même assez près. Bon, chez les institutionnels, bon, peut-être des faits. On a peut-être vu l'automne dernier passer des reportages à l'effet que la Caisse de dépôt et de placement a participé à un financement de 400 millions de dollars. Ce n'est pas un financement en totalité effectué par la Caisse de dépôt, mais elle a participé à ce montage financier pour une plateforme de prêt sur crypto-monnaie. Donc, vous pouvez suivre le lien pour plus d'informations. Alors, récemment, en novembre, Fidelity, qui est un courtier international important qui fait affaire au Canada également, a été la première entreprise à recevoir une accréditation pour opérer une plateforme à l'intention des clients institutionnels. Bon, on a aussi KPMG Canada qui a annoncé son premier investissement direct dans les cryptos tout récemment. Je peux peut-être mentionner qu'il semble que les investisseurs institutionnels ont la même importance dans le secteur des cryptos qu'on leur reconnaît pour les autres produits financiers, ceux qui sont très présents dans ce secteur. Alors, l'utilisation des cryptos pour régler des achats de consommation, ce sera encore relativement peu utilisé. Il y a différentes raisons qui peuvent être évoquées. Un article du Globe and Mail faisait état de différentes entreprises qui essaient de proposer à leurs clients de payer avec de la crypto et ça suscite peu de réponses. Peut-être que ceux qui possèdent la crypto se disent qu'ils préfèrent la conserver parce que ça prend beaucoup de valeur depuis quelque temps. Bon, type de crypto-monnaie, donc de crypto-actifs. Les crypto-monnaies, le Bitcoin, il y a les monnaies alternatives, donc on sait qu'il y en a plusieurs qui ont été créées. On a vu plutôt qu'il y a un type particulier où la valeur va être fixée par rapport à une monnaie officielle ou encore rattachée à des denrées. Donc, c'est pour avoir des avantages autres que la fluctuation, en quelque sorte, de la valeur. Bon, il y a les jetons. Alors, les jetons utilitaires qui sont émis par une entreprise afin de permettre d'avoir accès à son service, à ses produits. Donc, on peut uniquement s'en servir auprès de cette entreprise. Il y a les jetons de titre qu'on émet lors des Initial Coin Offerings. En français, on parle première émission de cryptoactifs. Alors ça, c'est souvent pour financer une entreprise dans le secteur des cryptoactifs et c'est une façon d'avoir accès éventuellement à des crypto-monnaies. Alors le domaine est relativement peu encadré parce que la popularité de ces produits est récente. Vous avez aussi les NFT, alors les Non-Fungible Tokens, on voit assez souvent le sigle. En français, on parlerait de jetons non interchangeables. Qui confère une part de propriété dans un élément corporel ou incorporel unique. Bon, option d'investissement dans ce secteur, vous pouvez acheter ou vendre directement la crypto-monnaie sur une plateforme d'échange. Vous pouvez aussi acquérir des fonds d'investissement spécialisés dans les crypto-actifs, que ce soit des fonds mutuels à capital fixe, des fonds négociés en bourse qui vont être constitués de crypto-monnaie ou de contrats à terme sur les crypto-monnaies, ou d'actions d'entreprise de ce secteur. Bon. On peut acheter des jetons lors de leur émission ou des jetons non interchangeables lors de leur mise aux enchères, comme vous pouvez acheter ou vendre des titres de compagnies qui sont à l'œuvre dans l'industrie, que ce soit des plateformes d'échange, des entreprises qui font de la prospection ou qui développent des applications pour la technologie de la chaîne de blocs.
Alors, les risques associés aux cryptoactifs, bon, risque de la volatilité, bon, on a vu les graphiques tout à l'heure, là, ça monte et ça peut baisser. Risque de liquidité, donc, quand vient le temps de convertir un actif en particulier, si vous n'êtes pas nécessairement dans ceux qui sont les plus, qui ont les parts de marché les plus importantes, il pourrait y avoir de la difficulté à convertir avec une monnaie officielle. Bon, plusieurs plateformes ne sont pas encadrées, on va le voir dans un moment. Et bon, quand il y a spéculation, normalement, il peut y avoir des écarts plus importants entre le cours acheteur et le cours vendeur, ce qui est en fait un risque de liquidité. Bon, il y a les risques technologiques et opérationnels, bon, vol, piratage, perte d'accès au compte, risque de participation à des activités criminelles. Bon, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de fraudes qui sont reliées à ce secteur. Bon, parlons d'encadrement. Donc, les plateformes au Canada, les plateformes d'échange de cryptoactifs, on estime que de façon générale, la législation en valeur mobilière devrait s'appliquer aux entités qui facilitent la négociation de cryptoactifs. D'ailleurs, les autorités canadiennes en valeur mobilière, incluant l'AMF, ont en place un programme qu'on appelle le bac à sable réglementaire pour accompagner les entreprises novatrices là, du secteur des fintech et des cryptoactifs vers l'inscription réglementaire. Cependant, les gens qu'on a consultés à ce sujet nous confirment qu'il y a relativement peu, très peu d'entreprises, très peu de plateformes qui sont présentement effectivement inscrites au Québec. Bon, on voit le formulaire qui vous permet de vérifier si une plateforme avec laquelle vous voulez faire affaire est effectivement inscrite. Suivez tout simplement ce lien pour y arriver. Bon, alors les plateformes d'échange de cryptoactifs, en septembre 2021, les ACVM et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ont publié un avis quant aux obligations des plateformes au sujet de la publicité, la commercialisation et l'utilisation des médias sociaux. Donc, en matière de publicité, on voit assez fréquemment là, des plateformes qui vous disent « Écoutez, on va vous donner un certain montant d'argent au début pour que vous commenciez à investir dans les cryptos. » Ben, écoutez, ce type de cette façon de faire la promotion des produits, des valeurs mobilières est réglementée. Donc, on a émis un avis sur les règles à respecter là, en matière de publicité. Tout comme dans le cas des médias sociaux, ben, il y a les obligations de pouvoir maintenir une trace de ce qu'on fait là, comme démarche promotionnelle et publicitaire, ce qui n'est pas toujours possible par l'utilisation des médias sociaux. Donc, ça devient la responsabilité de l'entreprise d'assurer cette trace documentaire. Alors, les fonds, si vous faites, si votre but est d'investir dans des fonds ou des actions cotées, bien, à ce moment-là, il y a évidemment les protections habituelles des valeurs mobilières qui s'appliquent. Alors, les entreprises doivent déposer des prospectus, ils doivent régulièrement divulguer l'information financière. Et les intermédiaires avec qui vous faites affaire sont assujettis à différentes lois. Bon, aux États-Unis, on considère là aussi que les crypto-monnaies sont des valeurs mobilières assujetties aux lois en vigueur. On n'a pas de législation spécifique, mais on pense que ça s'en vient. Là, la Maison-Blanche voit un enjeu de sécurité nationale et fait pression, ce qui explique peut-être que la Securities and Exchange Commission a publié à la fin janvier un plan réglementaire. Et bien que le mot crypto ne soit pas mentionné, les analystes considèrent que ça vise effectivement ce secteur de façon majeure. Alors, dans les autres pays, le Salvador a été le premier pays à accepter le Bitcoin comme monnaie légale en juin 2021. Cuba a suivi 2 mois plus tard. En Grande-Bretagne, toutes les entreprises du secteur doivent s'enregistrer auprès de la Financial Conduct Authority. Peut-être bon de mentionner que la plateforme Binance, qui est la plus importante au monde, a été contrainte de cesser ses opérations parce qu'on estimait qu'elle ne respectait pas là, les règles mises en œuvre par la FCA. Alors, il y a beaucoup de pays qui interdisent les transactions et l'utilisation des crypto-monnaies. Donc, on peut mentionner la Chine, l'Égypte, le Maroc, le Pakistan. Enfin, la liste est passablement longue de pays qui ne permettent pas les crypto-monnaies. Alors, écoutez, c'est un tour d'horizon relativement rapide. Suivez les liens dans la présentation, peut-être, si vous voulez aller plus loin. Alors, on est rendu au stade où je vais inviter Madame de Marcellis à nouveau là, à animer là, un échange entre nos panélistes.
Donc, je vais arrêter la présentation. Merci beaucoup, Paul, pour cette introduction qui explique un petit peu, en fait, finalement, à nos investisseurs et à ceux qui voulaient avoir, évidemment, de l'information, finalement, les différents types de crypto-actifs. Et quand vous l'avez vu, on vous a parlé des crypto-monnaies, le Bitcoin étant le plus connu, mais j'ai noté qu'il y en avait plus de 16 000 de crypto-monnaies. Et après, on a parlé de jetons, d'NFT, donc différentes formes. Donc là, dans cette deuxième partie, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter avec mes deux collègues, donc Robert Normand, qui est directeur de projet au Cyrano, qui enseigne aussi la finance à l'UQAM et à Polytechnique dans le programme Polyfinance, et mon collègue Thierry Varin, qui est professeur à HEC Montréal, chercheur principal au Cyrano en sciences des données. Donc, bonjour à tous les deux. L'objectif ici, un petit peu, c'est d'amener en fait de l'information à nos investisseurs et notamment à ceux qui participent au concours Bourstade sur quelques éléments un petit peu intéressants. Alors, j'ai une première question pour Robert, parce que là, on parle finalement, on connaît quand on parle d'investissement des actifs financiers traditionnels. Là, on nous a parlé de crypto-actifs, de crypto-monnaie en particulier, puis même d'autres types de monnaie qui pourraient y avoir. Donc, moi, la première question que j'ai pour toi, Robert, c'est en quoi la pratique finalement de l'investissement dans les crypto-actifs diffère de l'investissement des actifs financiers traditionnels? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder? Est-ce qu'il y a un premier élément dans ce sens-là? Oui, il y a à la fois des similitudes et des grandes différences. Dans les similitudes, ce ne sont pas des instruments qui sont complexes à transiger. Donc, vous voulez vous ouvrir un compte pour transiger des crypto-monnaies. C'est comme dans n'importe quelle plateforme de trading actif que vous pouvez voir maintenant. Vous ouvrez votre compte. Vous donnez de l'information personnelle pour, comme dans n'importe quelle ouverture de compte que vous avez. Une fois que vous avez ça, vous transférez de l'argent dans ce compte-là et hop, vous pouvez commencer à transiger les crypto-monnaies. Donc, c'est un processus qui est assez bien rodé malgré tous les risques qu'il peut y avoir. Donc, il faut toujours s'informer là-dedans, mais ce n'est pas une affaire qui est très, très complexe. Et donc, il y a une similitude par rapport à acheter des ETF ou des fonds négociés en bourse. Ce n'est pas vraiment beaucoup plus complexe que ça. Là, qu'il y a une différence marquée, c'est qu'on transige des devises. C'est des devises virtuelles. Et donc, à ce niveau-là, c'est une différence par rapport à un actif physique ou à une action, c'est que c'est la valeur intrinsèque. Quelle est la valeur de la crypto-monnaie qu'on achète? Donc, on dit que le Bitcoin vaut 50 000 $ canadiens, mais c'est quoi au juste? C'est très différent d'acheter une maison. Si vous achetez une maison, vous savez le prix que vous payez, puis vous savez à peu près ce que ça peut valoir dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, vous avez, il y a un impact. Vous achetez une action en bourse, il y a un produit, il y a des revenus, il y a des profits. On peut faire une évaluation financière. Lorsqu'on arrive au niveau des crypto-monnaies, la valeur intrinsèque est dure à établir parce qu'elle est basée sur l'offre et la demande. Il n'y a pas de produit essentiellement. Donc, vous avez, si tout le monde veut s'arrache le Bitcoin, bien, automatiquement, le prix va monter. Si les gens ne veulent plus, le prix va baisser. Donc, dans l'environnement technologique, on ne peut pas transiger ou gérer un portefeuille de Bitcoin ou de crypto-monnaie ou d'Ethereum de la même façon qu'on gère un portefeuille d'actions, étant donné qu'il n'y a pas de valeur fondamentale qu'on peut établir. C'est basé sur la demande qu'on peut avoir là-dessus. Juste un exemple, je lisais un article aujourd'hui sur la valeur à long terme du Bitcoin. C'est un professeur ou un auteur assez dynamique ou qui croyait beaucoup, proposait que la valeur du Bitcoin devait être au-delà de 100 000 $ pour sûr. On changeait quelques hypothèses qui étaient mises, puis elles tombaient à 5 000 $. Donc, vous avez un range qui est énorme entre les gens qui sont optimistes et les gens qui sont pessimistes. Fait que dans ce cas-là, si vous êtes un investisseur dans les crypto-monnaies, ce n'est pas très indiqué de faire du buy and hold. C'est achat et conservé. Ou le pire, c'est achat et oublié, comme on voit au niveau des fonds mutuels. Donc, si vous êtes un joueur actif là-dedans, vous devez plutôt avoir une présence continuelle au niveau des marchés pour être capable de voir un peu, dans votre tête un aperçu ou un scénario de croissance ou de décroissance. On ne peut pas l'acheter puis l'oublier dans un compte pendant des années. Ça peut-être que ça va être une bonne transaction, peut-être que votre transaction ne vaut absolument rien dans 5 ans. Donc, ça demande vraiment une approche à plus court terme qu'un actif, généralement, comme on voit pour votre caisse de retraite.
Quand tu dis à plus court terme, moi, je sais qu'on regardait récemment dans le cadre d'un projet, justement, les groupes de discussion sur Facebook où les gens qui parlent, en fait, qui s'informent, qui échangent de l'information. Puis certains avaient l'air de dire qu'ils ne dormaient pas. C'est ceux qui gèrent des crypto-monnaies ou qui essayent d'en avoir ou d'en acheter. Ça a l'air qu'il y a une volatilité. Ça a l'air que c'est quand même un environnement très particulier. Et quand tu disais du court terme, mais là, ça reste que c'est à tout moment qu'il peut y avoir des changements, finalement. Ah oui, mais effectivement, et ce qui est fascinant dans ce marché-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui transigent. On dit qu'il y a environ 50 millions de comptes actifs, de portefeuilles actifs dans le monde au niveau des crypto-monnaies. C'est énorme en termes de personnes qui vont transiger. Là-dedans, beaucoup de gens vont se qualifier comme étant un day trader, c'est-à-dire que tu ouvres ta position le matin, tu la fermes le soir avant de te coucher pour ne pas avoir de choses. On va voir également beaucoup de ce qu'on appelle les swing traders, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont suivre le mouvement. Et ça, c'est un phénomène qui est assez nouveau qu'on voit, c'est que étant donné qu'il y a peu d'analyse fondamentale qui peut se faire, tu sais, parce que c'est difficile d'établir une vraie valeur, ces compagnies-là, ils n'ont pas de bénéfice à tous les trimestres qu'ils vont présenter à leurs actionnaires. Donc, quand c'est le même, les gens, c'est une type de stratégie qu'on voit beaucoup, tu sais, ils appellent ça un copy trading, c'est un copycat trading. Donc, les gens, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder un peu le mouvement. Et à partir du mouvement ou ce qu'on lit sur les blogs, sur l'information, on va prendre des positions en se disant que c'est la force du nombre. Si beaucoup de gens croient à la même position en dévoilant les choses, bien le mouvement va partir et va aller plus loin. On l'a vu dans certaines actions. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, GameStop, ce qui s'est passé avec ça. Donc, c'est le même principe qu'on voit souvent au niveau des crypto-monnaies, au niveau du trading. Quand ça part et qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui partent, et là, on va y aller. Ce qui va faire en sorte qu'on n'est pas dans un actif, qu'on va faire une analyse fondamentale très, très profonde et qu'on va suivre les bénéfices trimestriels qui vont être publiés par la firme. On est vraiment plus une question de sentiment. Certains y croient, certains pensent que, étant donné que la rareté accrue, notamment au niveau du Bitcoin, peut s'accentuer dans le temps si plein de gens en veulent, il pourrait y avoir un effet de rareté qui pourrait jouer dans ce marché-là. Par contre, il n'y a rien qui assure que cette rareté-là va arriver, va survenir dans les prochaines années, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, quand vous êtes dans l'environnement des crypto-monnaies, il y a 1600 crypto-monnaies, probablement qu'il va y avoir encore d'autres et d'autres et d'autres crypto-monnaies qui vont arriver sur le marché, chacune proposant une alternative qui se veut meilleure que la version originale. Et si cette alternative-là prend le dessus, bien, la version originale va avoir la difficulté. On a vu la même chose. Si vous vous souvenez au niveau de l'Internet, il y a 15 ans, mettons, les gens utilisaient Yahoo. Là, maintenant, tout le monde est sur Google. Donc, il y a eu ce mouvement-là qui s'est passé dans les crypto-monnaies. C'est un risque qui est assez présent, c'est-à-dire que la technologie que vous utilisez présentement peut être facilement dépassée par une nouvelle technologie qui va être encore meilleure. Donc, ce n'est pas un actif qu'on devrait utiliser pour faire achat et conserver. C'est plus un outil ou un marché qu'on veut être actif là-dedans. Justement, c'était ma question par rapport à ça, parce que quand on voit le nom, puis qu'on voit qu'il y en a qui ont disparu, qui n'existent plus, tu sais, il y a de la valeur qui est détruite là-dedans. Est-ce que c'est un enjeu, en fait? Tu sais, est-ce qu'on est capable de l'identifier par avance ou d'avoir des signaux à ce moment-là quand il y a un crypto-actif qui va disparaître? Ou c'est vraiment, il n'y a aucun moyen, tu sais, c'est vraiment de la spéculation? Ou est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui devraient nous faire dire, oh là là, il y a quelque chose qui se passe là? Il y a beaucoup de spéculation. On s'entend que là-dedans, au niveau des crypto-monnaies, il y a comme deux choses qu'on peut voir. Une des choses, c'est que vous aviez la version originale, qui était le Bitcoin, et après, il y a eu plein de versions améliorées. Si on va regarder, le Litecoin est une version améliorée du Bitcoin. Le Bitcoin Cash est une version améliorée du Bitcoin. Donc, tout le monde propose des améliorations à la marge là-dedans. L'autre type de chose, c'est qu'on va proposer des nouveaux réseaux de blockchain. Ethereum, c'est un nouveau réseau de blockchain qui va arriver avec sa monnaie. Et ça, c'est la technologie. Donc, il y a un aspect technologique qui est là-dedans. Pourquoi il y a autant
Une des raisons pourquoi il y a autant de monnaie, c'est qu'il y a beaucoup de initial coin offering, c'est-à-dire beaucoup de nouvelles compagnies qui proposent des solutions. Des fois, c'est des fraudes, des fois, c'est des vraies solutions, toutes sortes de choses qui, pendant quelques années, lorsque les prix ont commencé à exploser au niveau des crypto-monnaies, beaucoup de gens ont proposé leur propre solution qui se disait meilleure que les monnaies actuelles et faisant en sorte que pour se financer, au lieu de financer, faire un IPO, c'est-à-dire comme une nouvelle émission d'actions réglementées, on faisait ce qu'un initial coin offering, où que les gens achetaient ça, même principe qu'un IPO, sauf qu'au lieu de détenir des actions de la compagnie, avoir un droit de regard sur la compagnie, on détenait une monnaie qui se disait meilleure que les monnaies actuelles, et les gens allaient là-dedans souvent pour, au niveau soit qu'ils croyaient, au niveau de la nouvelle technologie, ou soit tout simplement par de la spéculation en se disant effectivement, le Bitcoin ne valait pas grand-chose il y a quelques années, et là, maintenant, il vaut très cher, ça devrait arriver. On devrait voir la même chose. Ce qu'on a, par contre, c'est que pendant 2-3 ans, c'était la folie furieuse. Là, ce marché-là commence à se calmer un petit peu, mais il reste quand même qu'on a 1600 différentes monnaies qui peuvent être là. D'autres vont sûrement survenir, mais à une croissance moins rapide qu'il va y avoir, mais il y a toujours d'autres personnes, d'autres groupes, d'autres compagnies qui vont décider d'offrir leurs solutions technologiques au marché. Et puis, si la solution technologique ne fonctionne pas, ben, le prix, ça va vers zéro ou les quelques-unes qui vont fonctionner, puis le prix va augmenter beaucoup. Donc, il y a ce phénomène-là qui va jouer. Ma dernière question pour toi, c'est en fait, depuis avril 2020, on a vu finalement une augmentation du cours du Bitcoin, de l'Ethereum. Est-ce que la pandémie a accéléré ce phénomène? Ou il n'y a pas de lien ou c'est d'autres raisons? La pandémie est arrivée à point nommé pour ce marché-là. Vous avez un marché que le prix a augmenté considérablement et du jour au lendemain, tout le monde se retrouve devant son écran à la maison. Donc, on avait une condition idéale pour promouvoir les crypto-monnaies, ce qui va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de nouveaux joueurs partout dans le monde, parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement ici qu'il y a eu des fermetures, il y a eu des fermetures partout dans le monde. Donc, jour au lendemain, il y a des millions de personnes qui se retrouvent devant leur écran, ce qui fait que le marché peut profiter de ça. Depuis lors, par contre, on voit qu'on a la difficulté à avoir de nouveaux sommets qu'on a. On a plus comme un range trading. Quand ça baisse, il y a encore des joueurs qui disent ben, écoute, c'est pas cher, je vais en acheter. Quand ça remonte au-dessus de 60 000, on trouve ça, on va prendre des profits. Donc, on arrive dans une zone qu'on établit pour l'instant qui semble difficile à sortir de cette zone-là. Mais le phénomène est un phénomène qui va se maintenir étant donné la technologie. Il ne faut pas oublier que le système bancaire regarde ça avec un grand intérêt et que les solutions qu'on voit au niveau du blockchain, ça va être des solutions possiblement d'avenir qui vont arriver dans d'autres industries et faire en sorte que ce n'est pas une mode qui va passer étant donné la technologie sous-jacente. La difficulté, c'est d'associer une crypto-monnaie à la technologie. Présentement, c'est un petit peu ça qui va être difficile dans les prochaines années. Quelles sont les crypto-monnaies qui vont survivre dans un cadre que la technologie, elle va prendre de l'ampleur. Donc, c'est un petit peu ce phénomène-là qu'on va voir. Merci beaucoup, Robert. Et puis, justement, tu fais bien le lien avec la suite et les questions que je voulais poser à Thierry en particulier, c'est la technologie, en fait. On en a parlé tout à l'heure, Paul, dans sa présentation, parler de la chaîne de blocs. Toi, tu as parlé plusieurs fois, finalement, des technologies sous-jacentes, finalement, à l'utilisation de ces crypto-actifs. Et puis, quand on regarde, finalement, de quoi on parle quand on parle de crypto-actifs, on a parlé de NFT, on parle de chaîne de blocs, on parle du Web 3.0. Donc moi, la question que je vais poser à Thierry finalement, puis peut-être revenir aussi à l'origine en fait de la crypto-monnaie, parce que c'est vraiment la question qu'on se pose, d'où ça sort. Tu sais, là, on a dit, il y en a plein, elles arrivent, mais il y a peut-être quelque chose à regarder sous-jacent en fait à ça, puis c'est autour de la technologie. Donc Thierry, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter, nous expliquer autour de la chaîne de blocs, en fait, d'où ça vient en fait cette crypto-monnaie et finalement la technologie sous-jacente à ça? Oui, et puis c'est un plaisir de parler aux gens de Bourstad.
Et il faut revenir peut-être à un article de Satoshi Nakamoto. Donc, est-ce que c'est un vrai être humain? Est-ce que c'est un groupe? Qui est Satoshi Nakamoto? On ne le sait pas. Il a disparu apparemment, en tout cas du monde des communicants. Il est peut-être quelque part si c'est un vrai être humain. Donc, il a écrit un article en octobre 2008. Et puis, il a commencé à coder en fait, les principes qu'il mettait dans son article en 2009. Et l'idée était, en utilisant la technologie, donc du code, de créer en réalité quelque chose qui ressemble à de l'or. Et c'est pour ça qu'on utilise cette terminologie « je vais miner », parce que ça doit être coûteux. Et ça revient aux origines de la définition de la monnaie. Qu'est-ce qu'une monnaie? Une monnaie, dans la définition des économistes monétaires, c'est trois choses. C'est quelque chose qui est capable de me permettre des transactions, donc c'est un moyen de transaction. C'est quelque chose qui a une unité, qui me permet d'être une unité de compte, et aussi un actif pour la réserve de valeur. Donc vous ne voulez pas que cette monnaie perde sa valeur à travers le temps. Et c'est là où il s'est dit, on va utiliser quelque chose qui est coûteux pour donner de la valeur à cet actif. Et ce qui est coûteux, c'est de décoder un code compliqué. Et du coup, pour bien comprendre le Bitcoin, l'apparition du Bitcoin, c'est peut-être de faire le parallèle, il y a aussi des limites à ça, mais peut-être de faire le parallèle avec ces trois éléments que je viens de mentionner. Et le principe de l'or. Alors, est-ce que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont des monnaies? Je ne peux pas acheter dans tous les magasins avec mes Bitcoins sur mon portefeuille. Est-ce que donc, le moyen de transaction, il est quand même limité? Donc, si je veux avoir des transactions avec des produits réels, donc si je veux m'acheter... une voiture, on se souviendra de l'exemple qui a été donné de Tesla. Si je veux acheter de la nourriture dans un magasin et dans tous les magasins, parce que c'est ça la définition d'une monnaie, le dollar canadien me permet sur tout le territoire canadien d'acheter dans tous les magasins, c'est la monnaie légale, donc d'acheter dans tous les magasins des produits. Ça n'est pas le cas en fait avec le Bitcoin. Donc c'est pas un moyen de transaction au sens de la monnaie légale. Est-ce que c'est une unité de compte, ça peut l'être, effectivement, parce que tout peut être une unité de compte, donc ça, c'est facile. Est-ce que c'est une réserve de valeur? Vous voyez que ça monte et ça descend. Donc, avec cette réserve de valeur, il y a quand même beaucoup de volatilité. La volatilité pour une monnaie réelle, ça s'appellerait de l'inflation. Donc, on aurait de l'inflation, de la déflation. Et donc, le monnaie de réserve, moyen de réserve, c'est quand même une définition qu'on pourrait... défier un tout petit peu là. Donc c'est pour ça aussi qu'on se dit, mais bon, même si c'est pas une monnaie, ça peut être un actif. Et c'est ce que Robert expliquait, ça peut être un actif. Et puis c'est ce que la façon dont les gens comprennent aujourd'hui ces crypto-monnaies, c'est davantage comme des crypto-actifs. Donc ils les regardent évoluer. Et puis on veut pas manquer le bateau ou le train comme tout le monde. On dit mince, mon voisin fait de l'argent. Sur le Bitcoin, je veux aussi faire de l'argent parce que ce serait malheureux que j'en fasse pas. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent sur ces marchés-là, donc il faut vraiment faire attention. Puis en finance, lorsqu'on regarde un actif, on le regarde de deux façons. On fait de l'analyse fondamentale ou on fait de l'analyse chartiste. Et le chartisme, il faut un certain niveau d'expertise pour en tirer vraiment de l'information. Les gens, les académiques en finance, je vais faire un petit raccourci ici peut-être, mais sont davantage des gens qui font de l'analyse fondamentale que juste du chartisme. Donc, il faut, quand on regarde le Bitcoin et les autres monnaies comme des actifs, il faut faire attention aussi à ça. Maintenant, et c'est pour ça qu'il y a tous ces enjeux réglementaires, je vois des questions dans le chat et puis dans le Q&A ici, c'est pour ça qu'il y a des enjeux réglementaires et beaucoup de l'utilisation des Bitcoins, en tout cas au début, on avait des statistiques qui nous disaient 60-70% étaient pour des choses illégales, en fait. Donc, ça a sûrement baissé. On peut avoir des débats là-dessus parce que, de toute façon, on n'a pas vraiment les statistiques. Mais c'est en tout cas des chiffres qui circulaient. Et
Et puis, quand vous savez à quel point c'est facile de cacher de l'argent sur un portefeuille de Bitcoin ou d'autres monnaies, c'est des chiffres que je peux croire. Maintenant, je vais pas mettre ma crédibilité scientifique en jeu là-dessus. Mais qu'est-ce qui est quand même intéressant là-dedans? Et pourquoi je trouve que c'est quand même un domaine fascinant, c'est la chaîne de blocs qui est derrière. Et souvent, on parle des crypto-monnaies, des crypto-actifs, et on oublie en fait que la magie, pour donner cette valeur, c'est la difficulté de miner, donc la difficulté de décrypter. Et c'est aussi, du coup, ce qu'on appelle la décentralisation. Donc, le fait que sur une plateforme, vous installez votre petit logiciel, si vous voulez, sur votre ordinateur, vous avez un réseau, et d'un seul coup, chacun est capable de valider le titre de propriété ou une transaction qui a été faite sur cette plateforme. Et donc, c'est de façon décentralisée. Donc, ce qui est génial dans cette approche, c'est qu'on réduit beaucoup les coûts de transaction, en fait. Bon, je ne parle pas de la consommation d'énergie, il faut savoir que miner le Bitcoin, c'est 120 terawatts par heure et c'est l'équivalent de la production énergétique ou de la consommation énergétique de l'Argentine ou de la Norvège. Donc, c'est beaucoup d'énergie, on pourra en parler. Mais ce qui est quand même intéressant dans cette technologie-là, c'est tout ce qu'on peut anticiper. Donc, aujourd'hui, ces plateformes de chaînes de blocs, on leur associe une monnaie, parce que l'objectif était la monnaie. Donc, par exemple, le Bitcoin, par exemple, l'Ethereum. En réalité, c'est intéressant parce que maintenant, on y associe aussi, on l'a vu, les NFT, donc des jetons interchangeables. La différence entre une monnaie et un NFT, donc vous avez une plateforme qui représente c'est comme un énorme notaire, si vous voulez, un cabinet de notaire qui est en permanence capable de valider des transactions. Et donc, normalement, c'est le gouvernement et les notaires qui sont en charge de faire ça. Ici, c'est un énorme cabinet de notaires décentralisé. Chacun peut être un notaire sur la plateforme. Et vous avez de l'argent, un moyen d'échange. Et cet argent-là, il est fongible. Donc, ça veut dire que la première unité sur ces plateformes aujourd'hui, une nouvelle invention qui sont les NFT. Et ça, c'est des titres de propriété en réalité. Donc, des titres de propriété sur quelque chose que je vais inventer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas fongible. Ça veut dire que la valeur de ces titres de propriété, comme ma maison, etc., va évoluer avec l'offre et la demande. Avec la demande en particulier, c'est moi qui vais offrir ce titre-là. Alors, les NFT, par exemple, les cryptos, les gens ont peut-être entendu parler des CryptoKitties, et puis il y a un chat tout mignon qui a été vendu et puis qui vaut 1 million de dollars aujourd'hui. Mais ça, c'est de l'anecdote. En réalité, la technologie qui est derrière, donc c'est un type de propriété sur un actif numérique. Ça veut dire quoi? Donc moi, je vois deux développements potentiels de cette technologie. Le premier, c'est au niveau individuel, et le deuxième, c'est au niveau industriel. Au niveau individuel, ce que vous pouvez imaginer, c'est la libération de l'innovation humaine. C'est que d'un seul coup, sur une plateforme qui peut être un dérivé de l'Ethereum, par exemple, mais sur une plateforme, donc oubliez les crypto-monnaies, regardons la technologie et les titres de propriété, ben, d'un seul coup, je deviens créatif et sur cette plateforme, donc c'est le Web 3.0, je vais pouvoir vendre une œuvre et n'importe quelle création, finalement, que je vais pouvoir offrir sur cette plateforme. Et il y a des marchés qui vont se mettre en place avec des gens qui seront intéressés par ce type de création. Et quand je dis type de création, ça peut être des idées, etc. C'est, vous mettez un titre de propriété sur ce que vous avez créé. Donc ça libère l'innovation humaine.
Et il y a aussi le côté industriel. Et BMW, par exemple, mais d'autres compagnies vont s'y intéresser, c'est que vous pouvez créer une plateforme pour vous, avec votre chaîne de valeur, les participants à votre chaîne de valeur, et d'un seul coup, BMW diminue de beaucoup ses coûts de transaction avec ses partenaires, etc., et met en place une plateforme de transaction, de communication, de validation. Et vous pouvez imaginer le potentiel que ça a, notamment si ça dépasse les frontières, vous réduisez d'un seul coup vos risques de change, etc., etc. Ça demande évidemment des changements de réglementation à l'avenir, etc. Ce que je vous décris là, c'est un peu de la science-fiction quand même aujourd'hui au niveau international, mais c'est très possible et c'est pour ça qu'il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent là-dedans, hein, dans le Web 3.0. C'est très possible qu'en réalité, cette technologie amène des changements à l'avenir au niveau des banques centrales. Et on verra bien si j'ai raison dans 10 ans ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette technologie de la chaîne de blocs, de la reconnaissance de la propriété et des transactions. À nouveau, elle a des implications à travers les NFT, par exemple, au niveau de l'innovation individuelle, mais aussi au niveau de l'innovation industrielle. Merci beaucoup Thierry pour ces éléments. Je pense que ça permet un petit peu mieux de comprendre. Il y a des questions qui étaient justement, c'est quoi miner? On voit bien, c'est décrypter un code et c'est compliqué. Donc, c'est cette difficulté qui crée cette valeur que l'on voit. C'est sûr qu'on s'est beaucoup focalisé évidemment sur les crypto-monnaies. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Vous l'avez dit tous les deux à plusieurs moments, en fait, est-ce que c'est légal, où va cet argent, c'est caché de l'argent. Donc, c'est des enjeux, en fait, qu'on peut voir. Puis, en tant qu'investisseur, on se pose beaucoup de questions, évidemment, par rapport à ça. Mais ce que je voulais, en fait, avec cette deuxième partie, avec ce dont vous parlez, c'est la technologie qui est derrière. Soit toi, Robert, vous en avez parlé tous les deux. Puis, c'est de montrer, finalement, que cette technologie de chaîne de blocs va permettre, en fait, du développement technologique autour de ça, qui va bien au-delà finalement de ce pourquoi au départ ces crypto-monnaies, ce fameux Bitcoin dont on parle depuis le début est important. Alors, il y a beaucoup de questions évidemment qui ont été posées dans le chat, il ne nous reste que 5 minutes. Moi, ce que je vais vous encourager à faire en fait, donc déjà la présentation va être partagée, donc vous pourrez la regarder, puis vous pourrez écouter finalement les interventions, mais c'est sûr qu'il y a des questions qui ont été posées sur la fiscalité, sur les droits que l'on doit avoir. Moi, je vais vous encourager à aller regarder le site de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Vous pourrez regarder ça, on va vous mettre le lien aussi, parce que c'est important. Vous verrez, en fait, d'abord, il y a des mises en garde. En fait, on vous parle des fraudes, on vous parle des enjeux de plateforme, des choses qui disparaissent, qui apparaissent, qu'il faut regarder. Évidemment, c'est à vous de prendre les décisions par rapport à ça, mais au moins, vous allez comprendre que c'est un environnement qui est un petit peu différent, hein, Robert l'expliquait. On ne dort pas la nuit si on gère dans certains cas parce que les transactions, c'est à moins qu'on ferme les choses le soir, mais c'est vrai que c'est particulier. Mais aussi, ce qui est important, évidemment, c'est de regarder en fait cette variabilité, cette volatilité importante qui, finalement, même si on a cette perception, parce que on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a un de nos voisins ou un de nos amis en fait sur Facebook qui vient de faire beaucoup d'argent. Je veux dire, en moyenne, en fait, il y a beaucoup de gens qui perdent aussi de l'argent par rapport à ça. Donc, quand on est un investisseur, qu'on cherche à faire de la spéculation, c'est un élément finalement de ce monde-là. Mais on l'a vu en fait, et avec la technologie, on va être plutôt dans du développement plus important par rapport à ça. Donc, merci beaucoup à tous les deux en fait, pour vos échanges. Je vais repasser la parole à Monsieur Bourget qui va en fait conclure ce webinaire, qui va nous parler des prochains webinaires. Et je vous remercie à tous finalement d'avoir été présents ce soir. On l'a vu, quand on parle de crypto-actifs, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Encore une fois, puis juste un élément, vous le devez le déclarer si vous faites des revenus associés aux crypto-actifs. Ça fait partie, et vous le verrez sur le site de l'AMF, on vous explique comment le déclarer, sur le site du gouvernement du Canada aussi. Donc, finalement, c'est pas juste je spécule et j'essaie d'engranger des bénéfices. Il y a toute une fiscalité derrière là aussi. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Donc, faites très attention. C'était en fait pour nous un moyen, évidemment, de vous transmettre un certain nombre de messages. Mais on le voit aussi avec ce que nous a dit Thierry. En fait, derrière, il y a une technologie en fait, qui est là pour peut-être amener une évolution dans différents domaines. Et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, merci beaucoup à tous. Je repasse la parole à M. Bourget, qui nous fasse la conclusion. Merci beaucoup. D'accord.
Alors, écoutez, merci, Madame de Marcellis. Peut-être dire d'abord un mot sur notre prochain webinaire. Donc, je vais repartager l'écran, si vous permettez. Donc, oui, voilà. Donc, notre prochain webinaire, mais c'est la semaine prochaine, ça vient rapidement. Alors, développement durable et responsabilité sociale des entreprises. Donc, mercredi le 9 mars, même heure, 19h à 20h. On sera à ce moment-là avec M. Thomas Estinez, qui est coprésident du groupe Investissement Responsable. Je peux peut-être mentionner aussi dès maintenant qu'on va inviter tous les participants à la plateforme Boursetad à un webinaire qui aura lieu le 2 mai. Et là, ce sera les carrières, les choix de carrière dans le domaine des services financiers. Donc, la plateforme Boursetad, ça rejoint là, à peu près 10 000 étudiants, quand on pense aux simulations privées, quand on pense au concours Boursetad. Alors, ces gens-là vont éventuellement vouloir trouver des débouchés sur le marché du travail. Donc, nos partenaires dans Boursetad vont offrir là, ce webinaire particulier le 2 mai 2022, lundi le 2 mai. Alors, si vous voulez, avant qu'on prenne congé, je veux remercier d'abord l'animatrice du webinaire, Madame de Marcellis, présidente directrice générale du Cyrano, les experts également, Monsieur Normand, Monsieur Warin. Honnêtement, c'est vraiment très, très intéressant. Je pense qu'on est tous le plus éclairés maintenant sur ce domaine, quand même avec un bon niveau de complexité, mais émergent, qu'on doit comprendre de plus en plus. Il y a aussi une personne qu'on n'a pas vue ce soir, mais qui est là, qui est là présente, je vous l'assure, qui était un peu à la régie technique, qui est Mme Blouet, Manon Blouet, coordonnatrice aux événements du Cyrano. Peut-être aussi un coup de chapeau à M. Dubuc, qui a fait un article, je pense, qui a suscité la participation de beaucoup de gens qui sont avec nous ce soir, qui a parlé de ce webinaire et de la façon dont on a intégré les cryptoactifs dans le concours Boursetad. En fait, si vous êtes, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à l'invitation de M. Dubuc, qui ne sont pas nécessairement des participants. Donc, si vous vous rendez sur le site de Boursetad, tout le monde peut se créer un compte. Et avec 200 000 $ là, on a accès à une sélection de plus de 600 types, y incluant plusieurs types de cryptoactifs. Alors, de type marché, évidemment, on n'a pas, ce n'est pas une plateforme pour acheter directement de Bitcoin, mais les fonds dont on a parlé ce soir, plusieurs sont disponibles dans la sélection. Alors finalement, je vais remercier là, tous ceux qui ont assisté à ce troisième webinaire. Donc, merci d'avoir été présent et peut-être qu'on vous reverra lors des prochains webinaires. Alors, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.